Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on est extrêmement content de faire. Et c'est surtout les chats qui vont être contents aujourd'hui, regardez, ils sont là. Liliros les a ramenés dans sa chambre comme d'habitude, ah, ils ont peur de la caméra. Tu veux pas être filmé? Il a peur du micro, et lui... Oh, regarde, vous avez vu, ils ont grandi. Il est tout noir, ils ont grandi. Et d'ailleurs, on va vous révéler leur nom maintenant pour ceux qui demandent. Alors, parce que vous êtes super nombreux à demander. Lui, alors, lui c'est Murphy. Et lui. Et elle c'est Motus. Motus. Et aujourd'hui, les amis, vidéo un peu spéciale et c'est le cas de le dire parce qu'on va faire un Yes Man Challenge spécial chat. Alors. Les chats, vous vous doutez bien, ils peuvent pas parler, ils ont pas la parole, ils peuvent que miauler, donc ça suffira pas. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on leur a dédié une chambre. Dans notre maison, il y a des pièces qui servent à rien pour l'instant, c'est parce qu'on va faire des vidéos spéciales, etc. Donc regardez, dans cette pièce, donc toute la pièce... sera dédiée pour les chats. Voilà, toute la pièce sera dédiée pour les chats. Donc vous inquiétez pas, ils ont de la lumière, il suffit d'ouvrir le rideau. Donc toute cette grande pièce, ça va être la pièce aux chats. Donc on va bouger la télé hein, parce que je pense qu'ils regardent pas la télé. Ah, donc, et on peut leur mettre des vidéos pour les chats sur la télé et tout. Enfin bref, ils auront une grande chambre, sauf que cette chambre, évidemment, il faut la décorer parce que pour l'instant, il n'y a rien du tout. On va mettre des arbres à chats, des gamelles, de la nourriture, des jouets pour chats. Enfin bref, il y a énormément, énormément de choses à acheter, des paniers, etc. Et du coup, bah, c'est toi, Lily Rose, qui aura la parole des chats, on va dire. Oui. Donc, je n'ai pas le droit de dire non. Tout ce que tu penses être bien pour les chats, on va l'acheter, ok? Ouais, ok. C'est parti. Ouais. Donc là, les amis, on se dirige vers l'animalerie, on va sélectionner tout ça et après, on mettra tout en place, on vous montrera. On se retrouve tout de suite. Oui. Bon, les amis, voilà, on est à l'animalerie. Regardez, Lily Rose est là. On a trouvé un truc. Voilà, donc on va commencer le Yes Man Challenge. Regardez, il y a plein de trucs ultra confortables pour les chats. Il est énorme. Ouais, il est énorme, il y a des arbres à chats énormes, etc. Super grand. Donc franchement il y a beaucoup de choix, on pensait pas qu'il allait en avoir autant. Donc je pense qu'ils vont être très heureux, là il y a même un catalogue et tout avec plein d'arbres à chats. Donc Lily Rose, je vais te laisser faire une sélection, tu vas tout regarder parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Ouais. Et les amis, on se retrouve une fois qu'on a tout choisi, mais on va pas tout vous montrer tout de suite parce qu'une fois qu'on rentrera chez nous, on va tout vous montrer d'un coup et on va présenter la chambre aux chats aussi parce que j'espère que ça va leur plaire. Ah ouais, il y a une canne à pêche à chat. Enfin bref, regardez, il y a même une fontaine à eau pour les chats. Enfin bref, il y a plein de trucs. Allez Lily Rose, tu fais ta petite sélection. C'est parti. Bon les amis, ça commence, ça avance un petit peu. Donc on a pris la pink litière. Voilà, vous voyez. On a pris un tuyau. Un petit tunnel. Des jeux et tout. Une canne à pêche comme ça avec un petit, une petite souris au bout, des pelles pour les litières. Après on va décider de l'arbre à chat. Il y a ça, etc. Mais bon, c'est pas terminé parce qu'il y a encore un grand rayon avec des jeux. Donc Lily Rose va en sélectionner plusieurs. Ouais. Évidemment, après il y aura les ou le gros arbre à chat. Donc là, à mon avis, on va partir sur le gros qui est là ou sur un autre très grand qui est là-bas. Parce que comme ils sont deux, il faut quand même quelque chose d'assez gros. Et comme ils n'ont pas le droit de sortir dans la nature, il faut quand même qu'ils puissent s'amuser. Donc est-ce que tu as vu des petits jeux qui te plaisent? Non, mais ça, on dirait un doudou. Hein. Ouais. C'est un doudou pour bébé. Lui, il est ça, bien, je trouve. On a déjà une canne à pêche. On va pas prendre que des canapés, je regarde prendre des trucs comme ça, un peu en mode grelot ou des petites balles, des petits poissons. Bon après ça, autant leur donner un mouchoir, mais voilà. En tout cas, il y a pas mal de choix, on pensait pas qu'il allait en avoir autant, donc c'est cool. Oh là, et tu prends 50 000 trucs là. Ça c'est bien. Là les amis, les courses avancent très bien. On a rajouté encore un arbre à chat ici. Alors c'est un arbre à chat supplémentaire, c'est pas du tout celui qui est XXL. Non. Parce que là on a eu un petit problème. Peppa Pink est partie avec le vendeur parce qu'on veut vérifier que ça rentre dans notre voiture. Parce que donc, voilà, si ça rentre pas. Ils ont été sympas, ils vont l'accompagner jusqu'à la voiture. Parce qu'il est vraiment XXL. Du coup on pourra pas vous le montrer tout de suite parce que. On le montrera quand il sera monté. Ouais, on vous le montrera une fois qu'on sera rentré à la maison. Parce que il est parti, il est en train de se faire transporter. Là, me demandez pas comment on va faire, ça va être galère. Ouais. Donc ils auront a priori 3 arbres à chat, un petit, un moyen, un grand,
une nouvelle litière, des mini jouets comme ça, et on va tout vous montrer une fois qu'on sera rentré. Et moi, j'ai trop hâte de faire découvrir ça aux chats. Moi aussi. Je pense qu'ils vont avoir une réaction de fou, parce que pour l'instant, ils ont rien, quoi. Ils jouent avec des mouchoirs. Ils détruisent le canapé, etc. Donc c'est vraiment urgent. Les amis, c'est bon. Oui. Regardez, toutes les petites courses sont là. Et le grand arbre à chat est dans la voiture, comme on vous a dit. Ouais. Donc on a réussi à s'en sortir, à tout faire rentrer. Mais là, il y aura plein de surprises. Il y a des distributeurs à croquettes, à eau. Enfin bref, on a rajouté encore des trucs qu'on vous a pas montré. On attend la voiture et on se dit à tout de suite chez nous. Bon voilà, on est enfin rentré. Alors ça a été compliqué, là on a dû faire, on a dû galérer avec la voiture. On a dû faire un nœud avec une ficelle, etc. pour que ça tienne, on n'a même pas pu fermer le coffre. Enfin bref, une catastrophe de chez catastrophe. Donc là on va tout vous présenter. On va prendre des petits ciseaux parce qu'il y a des choses à déballer. Donc regardez tous les achats et attendez, il y a l'arbre achat XXL aussi qui nous attend. On va vous le montrer. Alors on vous le montre de loin, on vous le présentera juste après. Ouais. Regardez, il est vraiment immense à côté de moi. Je sais pas si vous remarquez, mais il fait presque ma taille. Alors il je fais. Fait ta taille, hein. Non, presque. Ouais. Il doit faire 1m70 l'arbre achat. Donc moi, c'est quand même pas mal. Ouais, bah toi il te dépasse. Regardez par rapport à Lily Rose. Alors il est beaucoup plus grand que Lily Rose. Hein. Ouais. Une tête de plus facile. Donc on va vous présenter tout ce qu'on a acheté pour les chats. En tout cas j'ai trop hâte de leur montrer. Et de voir ce qu'ils vont en penser, surtout parce que ça risque, ils risquent d'être très contents. Alors, déjà on a acheté une deuxième litière. Oula, c'est mon téléphone qui est tombé. Une deuxième litière parce qu'on en avait déjà une mais elle n'était pas très grande. Et là du coup on en a acheté une un peu mieux avec un couvercle. Avec un couvercle pour les odeurs parce que dans notre salon, elle est là-bas, la litière. Ouais. Ça sent les cacas de chat, voilà, pour tout vous dire. Ah non, ça sent pas, ça va. Si, ça sent un peu. Hein. Alors, ensuite, on a acheté un arbre à chat, on va dire, pour qu'ils montent. On vous l'a déjà montré. Qui font leurs griffes et qui vous C'est un tout petit arbre à chat, parce qu'on voulait un petit, un moyen, un grand. Ensuite. Un autre arbre à chat pour qu'ils fassent leurs griffes. Non, c'est pas un arbre à chat, c'est pour les griffes avec un petit jouet. Un poteau griffoir. Un poteau griffoir, voilà. Rainbow. C'est mon poteau. Un poteau griffoir rainbow. Oh, il est mignon le chat. Bon, enfin bref. Voilà, des petits jouets comme ça. Donc il y a plein de types différents. Ouais. Ensuite, on a une canne à pêche. Ils sont où les ciseaux? C'est là. Vas-y, montre. Là, tu montres pas. Une canne à pêche. Donc, tu vas montrer. Une deuxième petite canne à pêche un peu différente, un peu plus artisanale, on va dire. Ensuite, bon, ça c'est pas très intéressant, c'est des petites pelles pour la litière. Regardez. En jouet, on a aussi des petites boules de liège comme ça, un peu sympa. Montre comment ça marche ça. Attends, je crois qu'on peut faire comme ça. Ah voilà, c'est comme une vraie canne à pêche. Et hop, et voilà. Ensuite, petit truc intéressant, vas-y, tu peux couper aussi. Un tunnel, les chats adorent les tunnels. Ouais. Donc ça c'est un... Alors il est pas très long. Ah si, ça va en vrai. Ah ouais, bon, ça va. Et ça du va. Coup, parce qu'ils aiment bien dormir dans des endroits un et peu... Et même dans ça, ils vont beaucoup jouer, surtout qu'ils sont à deux. Ouais. Ensuite on a ça. Ah oui, ça, non mais ça c'est... Ah ok, c'est des balles. Ça c'est, des balles classiques. Ensuite, comme on a un chat mâle et un chat femelle, une gamelle rose, une gamelle bleue, comme ça. Non, on sait pas trop si c'est des mâles ou des femelles. Normalement, c'est mâles et femelles. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais il y a un deuxième. Regardez, là, avec mon téléphone qui est tombé tout à l'heure. Hop, un petit poteau griffoir encore. Et alors ça on vous l'a pas montré. Ah, il manque un truc qui est en bas. Alors ça, c'est quoi? L'arbre à chat, le petit. Ah non, mais c'est le moyen. Ouais. Bah vas-y, va le chercher rapidement. Non mais je lui ai dit avant la vidéo de tout préparer parce que nous on a dû monter l'arbre à chat qui est immense. Et là du coup, alors on va le déballer juste après. Mais c'est une espèce de gamelle qui fait un peu distributeur à eau. Voilà, donc c'est un peu technologique. Alors, les amis, maintenant l'arbre à chat XXL, je vais vous le présenter là pendant qu'elle est partie chercher l'arbre à chat moyen parce qu'il n'est pas encore monté, on va devoir le monter, il y a du boulot. Donc là on a un premier support qui est très haut pour les chats qui aiment grimper. Ah bah voilà, il est là. Voilà, regardez, alors celui-là il fait quand même 1m20. Ouais. Il est pas c'est ma taille quoi. Non, il est pas si petit que ça, regardez, montre le dessin. Ouais. Donc ça on va le monter juste après. Bah il m'arrive là on va dire. Voilà. Ensuite on a un panien.
un panier. Voilà, un panier. En plus, nos chats, ils aiment trop aller dans des trucs comme voilà, ça. Voilà, un panier. Ensuite, là, on a un petit support aussi. Ouais. Là, ils sont petits, donc ils arriveront à dormir là, ouais. Un petit en dessous. Et voilà. Là, regardez, on a encore un petit panier. Oh, regardez. Qui est pas si petit. Il y a un chat qui est... Ah non, faut pas lui montrer. Faut pas lui montrer, faut pas qu'il se spoil. Vas-y, laisse-le dehors pour l'instant, parce qu'on va tout installer. Et là, encore un petit panier, même assez gros. Là, ils peuvent aller facile à deux dedans. Ouais. Donc voilà, on vous a présenté tout ce qui va composer la pièce et les tapis. Et il est rentré encore. Regardez. Ça, je l'ai montré. Ah, ok. Et ensuite, des tapis pour habiller un peu la pièce. Donc, ça sera pas tout en termes de décoration. À mon avis, on va rajouter des choses. Mais voilà, déjà, on a acheté le plus gros. Bon, on espère que ça vous a plu quand même, cette petite présentation. Oui. On va vous faire le room tour de la pièce des chats dès qu'elle est finie. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Abonnez-vous, mettez un like et cliquez sur la vidéo qui apparaît juste là. Allez, ciao!